entre Fanico et KS Bloom, qui est le meilleur enfant de Dieu? Ouais, la famille, c'est dans cette vidéo, la famille. Dans cette vidéo, il y aura 4 points comparatifs à l'heure du jour. Ouais, la famille. Voilà. Oui, moi, là, on va analyser. On va décortiquer point par point, la famille. Et après, là, on va conclure, la famille. Après, on va voir entre les deux, là, qui a tué le son enfant de Dieu. Voilà, je sais que tu sais. Fanico, il a fait un son titré Enfant de Dieu. KS Bloom, il a fait un son titré Enfant de Dieu. Nous, on va travailler sur les deux sons dans cette vidéo. Mais avant toujours, la famille, permettez-moi d'abord de vous présenter d'abord les deux artistes en question. Je prends tout d'abord Fanico. Fanico de Jésus. Ah, c'est un artiste chanteur béninois. Voilà, il est du Bénin. En Cotonou, Porto Nouveau, mais tu connais. Voilà. Je prends maintenant KS Bloom. KS Bloom, qui cible dans la ville. C'est un artiste, chanteur, gospel, ivoirien, la famille. Voilà, c'est également un rappeur évangélique, si on peut le dire comme ça. Il rappe un peu, vous voyez un peu, non. Donc, il est de la Côte d'Ivoire, la famille. Abidjan, Yamoussoukro, la famille, sans plus tarder. Voici les 4 points comparatifs à l'heure du jour. Ok. Point comparatif numéro 1. L'instrumental ou le beat? Ouais. L'instrumental ou le beat? Je prends tout d'abord Fanico. Mais avant tout sur la famille, si vous n'avez pas écouté les deux sons dans Woofer là, vous n'avez pas vraiment bien apprécié l'instrumental. Hein. Donc je vous suggère d'aller écouter vraiment les deux sons avec dans Woofer, la famille. Ok, comme je le dis, je prends tout d'abord Fanico. Fanico, ben, l'instrumental, c'est un instrumental afrobeat. Voilà, un instrumental afrobeat dansant. Tu ne peux pas là. Tu dois danser dans Woofer, la famille. Ça cartonne très bien. Je prends maintenant KS Bloom. KS Bloom, son instrumental, enfant de Dieu. C'est un instrumental afrobeat également, mais c'est un gospel quoi. Ouais, un peu non. C'est de façon louange. Comme tu connais louange, tu dois danser automatiquement pour l'éternel. Sur le beat, les deux ont tué. Ok. Point comparatif numéro 2. Le test ou les paroles. Ouais, le test ou les paroles. Je prends tout d'abord Fanico. Fanico. Enfant de Dieu, le test, ça parle de quoi? Le test, ça parle de quoi, enfant de Dieu? Il dit, la Bible nous a mis à genoux et on en profite pour prier. On n'est pas premier, mais on ne sera pas dernier aussi. Voilà, famille. On n'est pas premier, mais on ne sera pas dernier aussi. On peut trébucher, mais on ne va pas tomber. Enfant de Dieu ne tombe jamais, la famille. Voilà, c'est un message d'espoir, la famille. On peut trébucher, on peut échouer, mais on ne va pas rester là-bas. Tu comprends un peu, non? Voilà, je prends maintenant KS Bloom. KS Bloom, son test parle de quoi? Le test enfant de Dieu parle de quoi? Papa est là, je ne vais pas échouer. Papa, c'est Dieu. Dieu n'échoue jamais. Hein? Dieu ne ment jamais. Hein? Comme tu connais. Hein? Un enfant de Dieu n'aime pas la facilité. Un enfant de Dieu n'aime pas la galère. Il poursuit seulement sa vision. Il n'arrête jamais. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, il poursuit seulement sa vie. Sur le test, les deux ont tué. Ok. Point comparatif numéro 3. L'influence de l'artiste. Voilà, l'influence de l'artiste. C'est un critère primordial, la famille. Je prends tout d'abord KS Bloom. KS Bloom, qui ne le connaît pas, la famille. Depuis la Côte d'Ivoire, dans la sous-région, qui ne le connaît pas. Le gars, il est influent, la famille. Il est influent. Je prends seulement sa chaîne YouTube. Il cumule actuellement plus de 1,2 million d'abonnés sur YouTube. 1,2 million d'abonnés. Je prends maintenant Fanico de Jésus, mais qui ne le connaît pas depuis Bénin jusqu'à dans la sous-région, qui ne le connaît pas. Le gars aussi, il est influent, la famille. Je prends seulement sa chaîne YouTube. Il cumule actuellement plus de 342 000 abonnés avec son label Blue Diamond. Mais notons que Fanico était dans le label de Blaz, Self-Made Man. Self-Made Man, la famille. Ok. Et enfin, point comparatif numéro 4. Le nombre de vues sur YouTube. Le nombre de vues sur YouTube. C'est un critère capital, la famille. Je prends tout d'abord KS Bloom.
KS Bloom, il lançait son son Enfant de Dieu il y a cela 2 ans, la famille. Ça accumule actuellement plus de 64 millions de vues sur YouTube. 64 millions de vues. Je prends maintenant Faniko. Faniko, il lançait son son Enfant de Dieu il y a cela 6 mois seulement, la famille. Ça accumule actuellement plus de 2,4 millions de vues sur YouTube. 2,4 millions de vues sur YouTube. Conclusion. Ouais, ma traditionnelle conclusion. J'ai introduit, j'ai développé. Maintenant, je vais conclure, la famille. Entre Faniko et KS Bloom, qui est le meilleur enfant de Dieu? Voici le résultat. C'est calme-toi, ça va venir. C'est KS Bloom. Ouais, la famille, jamais tu connais, c'est KS Bloom. Il a même plus à parler, la famille. KS Bloom, franchement, il a tué le son Enfant de Dieu, l'hymne national, la famille. Non, le gars, il est bon, la famille. J'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. Dans les commentaires. Sur ce, Erwin vous dit ciao. Ciao.